Parce que moi, je dis aux Français qui se plaignent d'avoir une maternité qui a été fermée dans leur, ouais, dans leur village ou dans leur petite ville, que c'est une très bonne chose. Quand vous dites on va mettre en place une journée de solidarité, c'est-à-dire une personne journée de travail gratuit, bien sûr que personne n'a dit ça. Travailler un jour férié gratuitement. Un nouveau jour de solidarité pour financer la dépendance des personnes âgées. Voilà la proposition de La République En Marche dans le cadre du grand... On envisage de reporter l'âge de départ à la retraite. Personne n'a dit ça pour l'instant. Madame Buzyn n'a pas dit ça. Non, monsieur, c'est pas ce qu'elle a dit. Franchement, que les 65 ans, ça sera sur la table de la discussion. Je pense qu'en tous les cas, un certain nombre de propositions faites par les Français vont probablement évoquer la question des retraites. Et vous n'êtes pas hostile, vous, personnellement? Je ne suis pas hostile, pourquoi? Le Premier ministre, mais vous allez sans doute dire qu'il n'existe pas, a dit « nous allons mettre en place des contreparties aux aides sociales ». Ce n'est pas ce qu'il a dit non plus. C'est un débat totalement explosif. Le Premier ministre se dit favorable à la mise en place de contreparties aux aides sociales. Vous êtes complètement fou. Mais non, vous rendez compte. En fait, vous vivez en fait, sur monsieur, la réponse. Allez-y. Si je peux me permettre. Je prends tous les Français.